Et si vous en êtes d'accord, pour débuter la séance d'aujourd'hui, s'il est en ligne, on pourrait donner la parole à votre président, Éric Magne, pour qu'il nous dise un petit mot sur la Société française de chirurgie endoscopique, avant de débuter à proprement parler la séance d'aujourd'hui. Éric Magne. Avant de te donner la parole, Éric, juste une petite question pratique. Il y a certains qui n'ont pas reçu le bon lien Zoom. Là, vous êtes tous présents, c'est parfait. Donc, on a renvoyé un lien Zoom, et de toute façon, la session est retransmise en live sur YouTube. Éric, tu as la parole. Merci beaucoup. Merci d'abord pour votre invitation. On a été très sensibles et à l'honneur qui nous était fait. Et donc, en introduction, je voulais vous dire ce que c'était que la SFCE. En fait, c'est une société qui est née dans la foulée de l'arrivée de la laparoscopie en France. Et la France était un pays novateur. C'était à l'époque, il y avait eu une première cholécystectomie par Mouret à Lyon, c'était en 87, et puis dans la foulée, vers 89, Dubois à Paris et Périssa à Bordeaux s'étaient lancés dans la promotion de cette technique. Et il y a eu un très gros congrès en 92, des congrès comme on n'en fait plus tellement maintenant, il y avait 3000 personnes. C'était un congrès qui a été vraiment fondateur et le monde entier était là. Et dans la suite de ça, en France, on a créé ce qu'on a appelé un temps le Club des 40, c'est-à-dire c'est devenu après très vite la Fondation pour le développement de la chirurgie laparoscopique, la FDCL. Et ça a été porté par un groupe de quelques universitaires et des libéraux. Jusqu'au jour où il a fallu fonder, on s'est dit, il y a trop de monde maintenant, c'est plus un club, c'est une société savante, il faut faire une société. Et la SFCE est née, c'était en 94, 2 ans après le fameux congrès. Et malheureusement, il y a eu 2 sociétés concurrentes qui se sont créées en même temps. Il y a eu la SFCE, avec Périssa et tous les gens qui étaient autour de lui. Puis il y avait Gérard Champeau, qui avait créé une autre société, la SFCL. Et ces deux sociétés ont vécu parallèlement pendant des années. Et en fait, la SFCL a disparu au moment où Gérard Champeau a pris sa retraite. On avait pendant un moment essayé de fusionner les deux sociétés. On trouvait que c'était ridicule d'avoir deux sociétés de la laparoscopie, mais ça n'a jamais vraiment fonctionné. Et maintenant, depuis la reprise, il faut quand même saluer la reprise en 2014 de la société par Jean-Michel Fabre. Il y a un nouvel élan qui s'est créé autour de cette société qui garde une autonomie, qui garde l'avantage de parler de voies d'abord mini-invasives, endoscopiques de toutes sortes, y compris dans des spécialités qui concernent des collègues gastro-entérologues ou radiologues. Et voilà. Et on a pris la relève avec le bureau actuel. Et je voulais vous présenter les membres du bureau qui sont tous les orateurs d'aujourd'hui. On a Christine Denet et Alain Valverde qui sont les vice-présidents. Et on a Cécile de Chaise-Martin et David Lechaud qui sont secrétaires généraux. David étant particulièrement affecté au site internet qui est un peu notre outil de communication où on retransmet de manière assez exhaustive toutes les communications de nos congrès qui ont lieu tous les ans. Voilà, en général on fait ça au mois de janvier. Cette année on devait le faire en janvier 2021, enfin l'année prochaine on devait le faire en janvier 2021, et puis avec la situation sanitaire on a décidé de différer ça au premier jour d'avril, si tout va bien. Voilà. Bah écoutez, merci Monsieur le Président. Je voudrais juste rajouter que la présence d'Alain Valverde montre bien qu'a priori, même si c'est un outil différent que les traditionnels appareils de laparoscopie de départ de notre ami Champeau ou Périssa, la robotique va s'insérer dans ce chirurgie endoscopique, et ça je m'en réjouis. Et donc restez très prudents sur la création de nouvelles mini-sociétés de la chirurgie robotique pour l'urologie, la chirurgie robotique pour autre chose. Je crois que cette idée de chirurgie endoscopique avec peut-être des sous-sections nous paraît en tous les cas au niveau de l'académie extrêmement importante. Voilà.